Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On part sur une petite session en bord de mer. Voilà, on est le mi-avril. J'ai toujours pas fait un bar depuis le début de saison. J'en ai décroché un fin mars quand il faisait chaud. Mais depuis les jours de gel, c'est très compliqué d'en faire. Donc là, rendez-vous en bord de mer. J'ai pris mon petit nouveau drone. Voilà, un DJI Mini 2 pour ceux que ça intéresse. Et je vais vous faire des plans, vous allez voir, la qualité elle est juste incroyable. Enfin voilà, vous allez voir ça tout de suite, de toute manière je vais pas parler plus et je vous souhaite une bonne vidéo les gars. Moi je vais descendre tranquillement sur le spot. Allez, bonne vidéo les gars. La séance escalade va maintenant commencer. Et ensuite on aura le droit de pêcher. Ils sont pas magnifiques ces mares quand même. Allez, un petit bar là-dedans dans 10-15 minutes. Ça serait sympa. Ça serait vraiment sympa. On va être pas mal du tout ici. Je vais le mettre à la pointe. Là où il y aura potentiellement plus de fond et là où j'ai un meilleur angle pour la pêche. On va aller tester ça tout de suite. Tac, nous voilà sur le spot. Splendide. Splendide, splendide, on va aller se poser. Tranquillement, là je suis sur la fin de la marée basse, la fin de la marée descendante plutôt. Donc j'arrive sur la marée basse, on va voir. Il n'y aura pas énormément de courant, on verra bien ce que ça peut donner. Et on est parti, on va commencer à pêcher. J'ai mis un petit black eel en 10 grammes, on va tester. Il y a du lançon en ce moment sur la côte. On va voir ce que ça peut donner. Bon les amis, ça va faire bientôt 2 heures que je suis là. Toujours pas de poisson, j'ai testé sur 3 endroits différents à peu près. 3 pointes. Toujours pas de poisson, la mer commence à remonter tranquillement. Donc je vais tenter le tout pour le tout. Là je vais tenter quelques lancers ici. Il y a moins de fond. Justement, je me dis que peut-être que
l'eau a plus chauffé par ici et les bars en début de saison cherchent plutôt la chaleur. Donc je vais tenter ici au Black Hill. On va tenter de gratter tout doucement. Je vais changer de leurre, je vais tenter de mettre un jig. On va voir. Je vais essayer d'aller chercher loin, 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 loin. Si je peux toucher un bar, ça serait nickel. Même une autre espèce pour sauver la bredouille, ça peut être sympa. Opération jig. La petite cuillère en anchois là. Avec des feuilles holographiques de chaque côté. Il y a du soleil, l'eau est assez claire. Je pense que il devrait bien se faire détecter. Je vais essayer de le lancer le plus loin possible. Oh, il part, mais je n'arrête pas quoi. Bon, il est loin, il est très très loin. Très 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 loin. Voilà les gars, c'est une fin de session pour moi. Je vais rentrer, c'est bredouille encore une fois. Je commence à avoir l'habitude des bredouilles en ce moment. Là plus dans le dans les canaux et dans le port, j'ai fait que des sessions là-bas. Que des bredouilles depuis le début de saison, sauf une fois où j'en ai tapé un, il s'est décroché à 5 mètres de moi, fin mars. Mais à part ça, ah oui, un macro aussi une fois. À part ça, c'est très 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 compliqué pour l'instant. On est le 14 avril. Puis bah là, session bord de mer, la première de l'année en bord de mer. Et là, capot aussi. Bon, ça commence à faire, mais bon, je désespère pas. On est quand même que le 14 avril. Voilà, bon, les bars commencent à arriver tout doucement. Surtout qu'on a eu des épisodes très très froids ces derniers temps. Donc là, c'est en train de se réchauffer. Là, je vois, je pourrais presque être en t-shirt. Même, je pourrais être en t-shirt, il n'y a pas de problème. Il fait bon. Donc ça va se réchauffer tout doucement. Et les bars vont revenir très proche de la côte, dans les estuaires et tout ça. Donc je me fais pas d'inquiétude, c'est juste, bon voilà, faut savoir affronter les bredouilles et puis trouver le moral pour aller se faire des sessions quand même. Voilà, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous la mets quand même parce que, voilà, le paysage il est juste splendide quoi. Surtout avec le drone, je sais pas si vous avez vu, mais ça fait franchement des plans vraiment sympas. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Enfin voilà, je vous laisse avec l'outro et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau juste en dessous et mettre un petit like aussi, ça me ferait très plaisir, ça m'aide pour le référencement si vous avez aimé bien sûr. Et mettez un commentaire aussi si vous avez des questions sur le matériel ou si vous avez des questions sur n'importe quoi ou même des remarques à faire. N'hésitez pas, l'espace commentaire c'est fait pour ça. Allez, j'ai assez parlé, je vous remercie. Puis je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite merde si vous allez à la pêche. Allez, à plus les gars.